Et surprise, il y a la tour en plein milieu ici. Et c'est canon, hein. Trop beau. Trop stylé ces façades. Je continue à vous filmer les façades, les puces, parce que c'est vraiment ultra stylé tous ces restaurants. Oh, j'adore celle-là, waouh, incroyable. Bonjour. Oh là là, je suis en train de calculer les heures de sommeil là. Je me dis demain, cette journée, elle va être mais chaotique encore. Tout est en maquette. Voilà, tout est faux, regardez. Ce sont des faux verres, vous voyez. Ils reproduisent tout ici, c'est un truc de dingue. Tout est faux. Bon, j'ai décidé de me verser une bière sur la tronche. Ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est une fausse, les puces. Ça fait rire les gens derrière, hein. Ça va être aussi haute que la tour ici, c'est trop. Qu'est-ce que c'est encore que ce cirque, là? C'est pas vrai? Toujours plus. Je sors bientôt la brochette. Non, non. Bambi, tu te calmes. Oh, c'est pas vrai, ça, d'avoir le diable au corps comme ça. On est cousins. Petit cousin. C'est ça, ouais. Parce que t'es le cousin de ma mère, en réalité. C'est ça, exactement. Eh ouais, le cous. Eh ouais, le cous. Non, c'est pas un date, non. Non, mais j'ai ma copine Bambi, vous savez, la meuf du pou, qui me dit, c'est vraiment ton cousin ou un date? Non, non, c'est bien mon cousin. tu confirmes, on est bien cousins. J'aime trop les petits distributeurs Pikachu un peu partout, les puces. Tout est kawaii, hein, comme d'hab, hein. On le voit partout, ce gonze, avec ses brochettes panées, là. Et culture manga, un peu partout, hein, ici, au Japon, vous voyez. Oh, les masques, kawaii. Qu'est-ce qu'il fait, ce bonhomme? Allez, hop, là. Sympa, cette rue, aussi, là. Toutes les façades sont originales et rigolotes. J'adore. Oh, mais le bordel, j'avais pas vu ça, là. Mais c'est des dingues avec leur maquette de bouffe géante, là. Ils me tuent, hein. Allez. Moi, j'adore ces façades, là, dans la rue. C'est un restaurant? Ah ouais. J'adore, moi, ces petits quartiers comme ça, avec toutes les façades et tout. Hop là! Eh ben, c'est quoi ce magasin, là? C'est où? Remarque, c'est face à la tour, hein, qui est bien droite. Donc, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas... voilà. Regarde, en samouraï, en petit slip, très moulant. Je ne filme pas les autres photos, les puces, hein, parce qu'on est sur autre chose. Ah, d'accord, ma grande! Ah d'accord, mes grandes. Ouais, je sais pas si je vais aller voir ce film, viens voir. Est-ce que ça te tente d'aller voir ce film là du monsieur? Il y a ça? Eh bah bravo, non. Ouais, elle est quand même grande, hein, cette tour là, wow. Punaise. Alors, il veut m'emmener dans des cinémas X, c'est une plaisanterie, j'espère. Allez, nous on continue d'explorer les petites rues tonight, illuminées. Alors on va commencer à avoir fait le tour à Osaka parce que c'est pas immense, immense non plus. Il en veut plus de lui-même. Bienvenue à Osaka Shinsekai, ce qui veut dire le nouveau monde. C'est ça? C'est ça. Ouais. Je parle japonais. J'en peux plus. Allez, on explore un nouveau quartier ce soir, la fameuse tour d'Osaka. Elle est immense. Waouh! J'adore ce chat. Mais il fait ultra peur avec ses fritures. Attendez, il y a vraiment ça là? Mais attends, c'est vendu ça dans les restaurants? Les gens mangent ça? Mais c'est pas possible. C'est pour le tourisme. Mais ça existe? Non, mais c'est pas vrai. Oh, mais c'est atroce. Des verres et tout, oh là 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 là.
Il y a des gens qui ont ça, tu penses, dans les assiettes, là? Là-dedans? Ça, ouais, si tu veux vraiment manger... C'est pas possible. Trop un délire, cette rue. Vraiment, j'aime trop parce que les façades sont très graphiques. On dirait presque du street art sur les façades des restaurants, quoi. C'est trop, trop beau. J'aime trop. Et c'est de l'art, en vrai, hein, je trouve. Même si c'est promotionnel pour des restaurants, c'est ultra stylé. Même là-haut, j'avais pas vu, mais tout est à motif et tout. Tout en haut. Il y a la tour de Osaka. Le mont Fuji. Les sumo. C'est beau. Vraiment, la tour en face, regarde. Oh. J'adore. Tout, je sais pas où, regarder. On est émerveillés. Ah non, mais là, incroyable. De derrière, là. Ouais. Trop fan, en tout cas, de ces quartiers. Oh, c'est incroyable aussi, ces façades-là. Toujours plus. Regardez-moi ça encore. Ah, et tous les restos sont des œuvres d'art. Oh my god. J'aime trop, c'est magnifique. Cette façade là, c'est encore une dinguerie là. Tout m'émerveille, moi, je vous jure. J'aime trop. Oh là là. Elle aussi, avec les petits sushis qui tournent. Oh là là, ma passion, les sushis. J'adore. h 24. Ressenti 4h du mat, crevax. Même les plaques d'égout dans ce quartier sont jolies, je vous jure. Arrêtez, c'est trop beau. Les mangas dans le métro, les puces, regardez. Aussi partout. Je me retrouve tout seul à Osaka, les puces. J'ai quitté mon cousin et Zaz Butagaz parce qu'elles veulent aller manger de la street food dans la rue. Je vais aller retrouver du coup sardines et jambon beurre dans une pizzeria parce que c'est vrai qu'on mange japonais midi et soir. Donc là, on va changer un peu, se manger une petite pizza, ça fait du bien. Et voilà. Et puis moi, j'essaie d'aller me coucher le plus tôt possible là parce que on se lève à 5h et j'ai vraiment envie d'être en forme pour Universal Studios et pour Mario. Je me réjouis, je suis comme un gosse d'aller à ce parc demain, je vous jure. Voilà, j'ai retrouvé jambon beurre et sardine. Et ils sont en train de me faire ma petite pizza ici. Miam. Le premier, deux tables de libre. Les histoires de jambon beurre. Ça recommence. Je sais pas de quoi ils me parlent, mais... Le hasard nous a amené ici. Ah, d'accord. Bonjour, les dames. Alléluia. 21h47, je suis dans mon lit. Je vous dis à demain les puces, je coupe tout là pour me reposer. Et demain, c'est parti pour la dernière journée. Bonjour. Encore levé 5h30. Bonjour à tous, nous sommes en période de pointe dans les transports en commun. C'est sportif. C'est waouh, les sacs à dos là derrière qui tapent, hein, c'est pas évident. Voilà, nous partons à Universal Studios. On a mis toutes les chances de notre côté pour pouvoir accéder au parc Super Nintendo pour faire les attractions Mario. On a pris plein d'astuces de plein de gens, donc on va essayer de tout combiner pour y aller. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas, comment dire, inclus dans le ticket, il faut prendre des trucs limités, enfin bref. Donc on espère pouvoir, en arrivant tôt, en avoir. Voilà, on croise les doigts. À suivre. En attendant, on va essayer de couper notre respiration pour pas sentir les haleines. Parce que là, c'est proche. C'est un peu violent, quoi. À 5h et quelques. Allez, c'est parti, il est là. Wouh. Mais c'est l'hallucination totale. Le parc ouvre dans 2h. Il y a déjà, mais un monde. Et il y a des queues de partout, partout, partout. Oh.
C'est hallucinant cette histoire là. Bon, en tout cas, on est accueillis par une jolie petite musique. C'est good. On va passer une journée de dingue. C'est sûr. J'ai hâte. Oh, wow. J'espère qu'on va pas les mascottes et tout. J'espère qu'on va pas vomir avec tout ce qu'on a mangé. La partie Jurassic Park, ça fait vomir. Ah d'accord, ma grande. Donc c'est parti les puces pour vous faire vivre cette journée sur Snap. Eh ben voilà une qui ne perd pas de temps dans la moindre file d'attente. Ah oui, l'aurore qu'on lui parle quand elle met du mascara. Je canne. Toi, t'as eu le temps, ma connasse, aujourd'hui, de te faire belle pour Mario. Oh, ma belle. Ah. Oh là là, c'est compliqué d'être une nénette, hein, quand même. Ça me gonflerait, moi. Oh. C'est compliqué d'être une nénette. On a réussi à avoir des tickets pour Super Nintendo World et Mario. Wow. Par contre, c'est dans pas longtemps, faut qu'on se dépêche de le trouver. On a qu'une heure d'accès au parc, à ce parc-là. On va faire le reste du parc. Il y a le château d'Harry Potter, incroyable, on vient de le voir. Oh, trop bien reproduit. J'arrive, je suis en mode émerveillé. J'ai envie de pleurer, enfin, je suis ému. Regardez. Ça va être incroyable. Ah bah oui, mince, on est en pleine panique. Vite, il faut demander, trouve un employé. Saute sur quelqu'un dès qu'il y a un uniforme. Trop content, ça valait vraiment le coup de se lever tôt parce qu'en fait, les premiers arrivés sont les premiers servis pour avoir des passes d'accès à cette fameuse extension Super Nintendo World où il y a donc les attractions Mario, tout ça. Et franchement, il y a plein de gens qui ne peuvent pas à chaque fois y aller. Et j'avais vu plein de vidéos de gens qui disaient « Ah, on n'a pas pu y accéder, impossible, il n'y a plus de place. » Enfin. Donc trop heureux, vraiment trop heureux. Il y a déjà des petits logos Mario, regardez. J'adore. Allez, c'est parti. Mais c'est immense ce parc. Hein. Oh. Donc là, on est en train d'essayer justement de trouver l'entrée de ce parc Nintendo. On va voir ce que ça donne, mes puces. J'ai trop hâte. Oula, le grand 8 là-bas. Wow. J'ai l'impression d'être dans un clip avec la musique. Oh my god. Oh, mais c'est immense. C'est quoi ce pont là? C'est une attraction ou c'est un réel pont? Il y a un pont énorme au fond là-bas. Les grands 8. Trop ému, trop heureux. Ça va être trop cool. Oh là là, on avait trop envie de le faire ce parc de Mario, vraiment, mais on est tellement heureux. Oh my god. Oh, c'est Jurassic Park là. Oh my god. Faudra absolument qu'on le fasse, ça va être canon. Et voilà, on accède au Super Nintendo World. Il est juste ici. J'adore leur uniforme Super Nintendo World. Regardez comme il est joli. On arrive, ça y est, on entre dans le parc, les plus j'ai hâte. Hello, we love you. Les gens sont adorables. Oh mon Dieu, ça y est. Incroyable, on y arrive. J'adore. Wouh. Allez. Oh. Mon Dieu. Incroyable, on se croirait dans un jeu. Oh mon Dieu. On est mais... Oh là là, mais c'est incroyable! On est émerveillés, les puces. Oh mon Dieu, mais c'est incroyable. De partout. Ah ouais, on en prend plein les yeux, là. Hein. Incroyable. C'est trop beau. J'ai l'impression d'être rentré dans mes jeux d'enfance, dans ma Nintendo. Oh, c'est fou. Oh là là. Non, mais ça, oh là là, il y a tous les petits éléments, tous les personnages. Oh, c'est incroyable. C'est tellement bien fait. Finesse. C'est dingue. Thank you.
j'en reviens pas. Tous ces petits personnages là qui sont si mignons. Oh. Et c'est toute mon enfance. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer à Mario. Oh là là, j'adore. Il est ultra bien fait ce parc. Oh. Mais Yoshi derrière. Incroyable. J'ai pas les mots. C'est fou. Chinaise. Waouh. Le porte-manteau pendant qu'on fait des photos. Merci. Merci beaucoup. Ah, faut faire tomber le champignon. C'est incroyable. Oh, vraiment incroyable ce monde. Genève. Ah, mais on ne sait plus où donner de la tête, il y a des informations de partout. Oh, on est en mode... L'astuce, les puces, c'est que regardez, vous avez à peu près 70 minutes d'attente aux attractions. Et si vous y allez tout seul en single riders, c'est 30 minutes, c'est moitié moins. Du coup, on va faire nous la queue en single, parce qu'on s'en fiche d'être à côté dans les attractions ou quoi. Dans tous les cas, on attend ensemble. Et après, bah, on vit quand même le moment. Donc en vrai, ça permet vraiment d'économiser du temps. Allez, c'est parti. On rentre là-dedans. Je suis tellement... Oh là là, ce monstre, je le faisais tourner par la queue dans ma Nintendo 64. Je vous jure, les puces avec mon joystick. Et je le jetais. Trop de souvenirs. J'arrive pas à y croire qu'on est là. J'avais tellement envie de faire ce parc depuis longtemps. J'arrive pas à réaliser là, je pense. On a été émerveillés quand on est arrivé, tu sais, dans le monde en mode... Oh, ouais. Il y avait tellement de personnages. De personnages, de couleurs, de souvenirs. De pièces, de champignons, de tout quoi. Oh, j'adore. On est mais complètement gaga. Hein. J'adore toute cette déco. Partout, partout, partout. Oh, j'aime trop. Donc là, on fait l'attraction Mario Kart. Les puces, je sais pas du tout comment c'est. J'ai pas regardé sur internet pour pas me spoiler, mais on y est. On va voir. Et ça a changé Mario. Maintenant, il y a des personnages aux lèvres refaites. Je suis mort. Après Maeva Genham. On est toujours dans la file d'attente. C'est très, très long. Mais bon, on s'occupe avec les animations 3D. Il est mince. On se croirait dans Harry Potter. C'est Mario, ça, le monde? Je reconnais pas les livres et tout. Ah, hygiène dentaire. Dental hygiene. Oh, c'est très, très long, les queues, par contre, les puces. Hein. Oh là là, ça fait à peu près une heure qu'on attend, là, déjà. J'espère que l'attraction est bien, parce que... J'adore tous ces petits personnages. Je vous jure, je suis vraiment très fan de l'univers Mario. C'est un peu ma Madeleine de Proust. Quand j'étais petit, je vous disais, j'y jouais à fond, beaucoup moins en grandissant évidemment, mais... Comment appelle-t-on du sperme de policier? Tu m'as déjà dit blanc de poulet. Du blanc de poulet. Du blanc de poulet. Quelle horreur. Horrible. Cette blague. Oh, j'adore, on nous remet une petite casquette Mario. Regardez, il les donne. Ah, j'adore! On est swag! Allez, mets la tienne! Ah, j'adore! C'est parti pour une course!
Je me demande ce que c'est cette attraction, j'arrive pas à savoir ce qui va se passer. Yeah. Elle apporte ça la déquoi. Si, elle doit être excédée. Voici la team Mario. Alors moi, mes préférés, c'est lui. Et bien sûr Mario. Et j'aime bien Luigi. Yoshi, pardon. Mais c'est qui cette princesse? Je la connais pas. Il y en a deux maintenant. Ah non. Allez, c'est parti les puces, on va embarquer dans notre voiture. Wow. Allez, c'est parti. Oh, les puces, on y est. Oh, c'est incroyable. C'est magnifique. Oh, j'adore. Oh my god. On a un truc 3D dedans et on doit tirer tous les carapaces pour tuer les personnages. C'est incroyable, c'est comme un jeu vidéo avec une manette, mais en vrai, enfin, je sais pas comment vous dire. Wow, j'ai une étoile, oh my god! Oh, oh là là, c'est trop beau là, j'adore! Oh, c'est magnifique! T'es là? Oui, je suis là. Ah, je crève. J'adore. Mais tu sais, il est trop bien avec les alpha. Ah ouais. J'adore. Ils sont tous habillés en Mario Kart. C'est sympa hein, leur tenue. Mushroom piston. J'adore. Bombe. Trop stylé. Bam 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 bam. Trop stylé. C'est vraiment l'élève des meufs refaites, ça, hein. Totalement. Hein. C'est. Ouh, elle a queue. C'est particulier, hein. On est vraiment des gosses. Ça nous fait vraiment des immenses têtes. On dirait un champignon, on dirait Todd un peu. Bon, t'as aimé cette première attraction? Ouais. C'était comme un jeu vidéo, mais là, dans nos yeux. Ouais, tu passais du virtuel au réel et en plus, on passait dans tous les mondes de Mario. Ça doit être incroyable d'avoir une chambre avec toute la collection de tous les personnages. Tous. Je l'adore. Il est trop beau. Yoshi, moi, j'adore. Ils sont tous trop mimes. Oh, Todd, il est trop mignon. Ah, j'avais oublié pendant ces 1 heure de queue ce monde incroyable. C'est fou. C'est beau de là. Ouais, c'est beau d'ici. C'est trop marrant, il y a des Mario partout. Hello Mario. How are you Mario? Hey Mario. Regardez-moi ce délire. C'est assez impressionnant, hein. Ah, il y a le château d'Harry Potter là-bas au fond. Incroyable. Non, ah, ils sont là. J'adore. Regarde, ils sont là. Mario, coucou Mario. Je suis comme un gosse. Regarde-les. Mario. Genre, il va me faire coucou. C'est une dinguerie, même les toilettes, c'est dans l'univers Mario, regardez. C'est trop drôle. Est-ce que vous pensez que la chasse d'eau du toilette, c'est un champignon ou pas? Non. Trop qu'on aille tester ça, c'est un restaurant avec que des plats sur le thème de Mario. Alors, il y a une queue, oh là là, je vous raconte pas. Bon,
On s'est mis à attendre ici. On nous a dit qu'il y avait 100 minutes d'attente. Et là, elle est en PLS parce qu'elle croit qu'elle a des cheveux blancs qui ont poussé dans la nuit. Elle est pas bien. Elle panique. Pose des cheveux blancs. C'est la lumière, je pense, ma belle. T'as l'air contrariée. Donc ouais, on attend pour accéder donc à ce café. Je sais pas si on va avoir la patience parce que 100 minutes, c'est 1h40. Hein. Tout est long. En fait, ça, c'est dommage parce que ça gâche un peu le plaisir, on va dire, de ce genre de parc. C'est pour ça que je vais d'ailleurs plus du tout à Disney. C'est que c'est trop long l'attente. C'est trop long pour trop peu de temps sur place. Ça a l'air stylé, ces petits sacs là en étoile. Dedans, il y a des pop-corn dedans. Regardez, tu ouvres comme ça et tu manges. J'adore. Mais bon, vous me connaissez les puces, hein, je vais pas m'envahir de tout un tas de trucs que je n'utiliserai pas chez moi. J'ai envie d'aller sauter là-haut, de gagner des pièces, de sauter sur les points d'interrogation, de jouer. Mais moi-même. Bon, on attend en tout cas. Alors, il y a quoi dedans? Je l'ai vu tout à l'heure sur quelqu'un. J'adore, il est beau ce sac. Ouais, attends. J'ai pas encore la technique, mais en gros, ça s'allume. Ouais. Et derrière, tu te dis bien que il y a pas juste un accessoire. Il y a à manger, oui, je sais. Oh. Merci, ma belle. C'est bien, ça te fera un sac de bouffe dans lequel tu pourras mettre des choses en voyage. Oui, des mochis et tout. Ça s'allume ou pas? Fais voir. Ouais, c'est ça qui s'allume. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Ça clignote, ouais, je vois. Hop là, on vient d'entrer à l'intérieur du restaurant. Bon, il y a pas mal de queues, hein, punaise, c'est long. Quand on est à l'intérieur, on découvre derrière les petits points d'interrogation ce qu'on va manger. Il y a plein de plats originaux. Oh, ça a l'air vraiment incroyable, je sais pas du tout ce que je vais prendre. Et voilà Todd en cuisine. Bon bah ma puce, j'espère que tu vas nous faire des trucs bons quand même, parce que le visuel c'est beau, mais le goût encore mieux. On arrive aux caisses pour commander. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre en vrai ces plats, parce que là comme ça, ça a vraiment l'air incroyable. Et c'est parti. On va passer commande. Le petit menu. Regardez, trop stylé ce petit menu. Alors, du coup, je pense que je vais prendre... Bah, surprise, les plus, vous verrez. Regardez notre numéro de table sur le thème de Mario aussi, j'adore. Thank you. On récupère nos boissons. Regardez. Voilà, on vient d'arriver dans le super café Mario. Bah, finalement, on a attendu moins longtemps que prévu. Franchement, ça c'est cool. Il y a plein de petites tables. Après, on s'installe où on a envie. C'est joli. Todd, j'adore. Voici d'ailleurs notre table. Elle est trop mince. Et voilà, on a nos petits verres. On attend nos plats maintenant. J'ai hâte. Du coup, on a pris une petite citronnade avec dedans des petites billes de couleur. Oh my god, nos plats sont arrivés! Regardez! Regardez comme c'est choupi! J'adore! C'est incroyable les plats! It's for me! Thank you! J'adore! Oh, il est trop mignon celui-là. Trop choupi. Ça, vous allez voir, c'est incroyable. C'est une soupe. Oh là là, trop mignon. Oh. Et mon dessert. Je pense que j'ai pris les puces. Donc, j'ai pris Todd en soupe. C'est trop mignon. Une petite soupe aux champignons avec deux petits crackers à l'intérieur. Voilà. Regardez ce que j'ai pris. J'ai pris une petite soupe aux champignons. Regardez, avec des petits crackers Stud. Oh, j'adore le bol. Il est vraiment trop mims. Ensuite, j'ai pris un poulet teriyaki avec une étoile de riz. Trop mims. Et alors, le dessert. Oh là 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 là. C'est un tiramisu surprise. Oh,
J'adore. Le petit cocktail avec des petits morceaux. Je crois que c'est une boisson, j'en bois souvent dans les restaurants chinois. C'est comme de la gélatine un peu colorée, c'est vraiment trop bon. Voilà pour mon petit repas. J'adore. Oh, trop canon. Non mais c'est hilarant. Ah non mais alors là, faut qu'on vous explique. Elle a eu son hamburger froid. Et du coup, elle avait commencé à picorer les frites vite fait, mais l'hamburger, elle a commencé par manger les frites après l'hamburger, elle s'est rendu compte qu'il était froid, donc elle l'a renvoyé en cuisine. Ils ont ramené l'hamburger sans frites, donc du coup, elle a dit, mais les frites, ils ont compté combien elle avait mangé de frites pour lui ramener. Je peux m'écrever. Les trois frites dans une assiette en mode, bah tiens, meuf, t'en as déjà mangé. C'est eux qui sont au corps, ils pourraient remettre à la limite une portion de frites, mais... Non, mais je suis... Non mais c'est hilarant cette histoire. Non mais c'est hilarant. Oh. Et regardez ce gâteau qu'on s'est pris à partager en plus. Oh, il est magnifique. Oh là 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 là, c'est un fraisier. Quoi toi du coup? Oh j'adore, il est trop mimes aussi. C'est un couvercle et dedans il y a des bouts de pizza? Ouais je crois. D'accord. Alors c'est bon ou pas? Ah oui c'est du fromage quoi dedans. Dès qu'il y a du fromage c'est bon. Ah bah tu m'étonnes. Waouh! En tout cas, c'est un super concept. Je suis trop content parce que ça valait le coup de venir. C'est sympa, ça change. Je vais vous dire si elle est bonne, la soupe. Mmh. La soupe est incroyable. Oh! Trop bonne. Et c'est tellement beau qu'on n'a pas envie d'y manger. Ça t'a choqué ou pas demain? Déjà, ça m'a choqué parce que. Pour ramener tes frites. C'est leur pote à eux. En fait, c'est rien de spécial. Mais en fait, c'est vrai que quand un plat est froid, la moindre des choses, tu refais le plat et tu remets des frites. Ils ont été récupérer tes anciennes frites, dont une croquée. Quand elle est... Au départ, il n'y en avait pas, elle a dit, mais attendez, mes frites, elle est revenue avec l'assiette, comme ça. Ça serait moins choquant si les frites étaient... Trop drôle. Le plat était revenu avec les 4 frites, mais là, oui. Elle est allée chercher les 4 frites au lieu de ramener une portion. Mais je suis, c'est mais... C'était mais hilarant. Et en plus, elle n'était pas excusée. Elles n'étaient pas froides. Elles étaient froides, elles n'étaient pas réchauffées. Voilà. Et j'avais l'impression que c'était moi qui étais chiante alors que le plat était vraiment très froid. C'était dont une qui était croquée et rendue croquée intacte. Ouais. Ah non, mais ça a crevé de rire. Hein. Bon, après, voilà, les puces, on le sait, on est dans un truc, c'est sûr, voilà, c'est ultra touristique. Ils font un fric monstre avec ça. Bon. On a voulu y venir. Bon, voilà. Moi, je suis content. Franchement, je trouve que c'est hyper joli. Pour l'instant, je me régale. Mais je pense que mon plat risque d'être froid aussi. Donc, je vais compter mes grains de riz pour voir s'ils m'en ramènent le même nombre. Soupe terminée. T'as pas fini la tienne, ma belle? Non. Non, mais ça, c'est incroyable. Hein. Je te jure. Vraiment. C'était mes dingues. Alors, maintenant, j'attaque ce plat. Elle est trop mignonne, cette petite étoile. Oh, j'adore. J'ai envie de gagner une vie. Oh là là, ça me fait mal au cœur. J'ai pas envie, ça me déchire. Miam. En vrai, c'est quand même super bon, hein. C'est parti pour le dessert, c'est tellement mignon. J'ai pas envie de le manger. Et le deuxième dessert qu'on va tous partager, j'espère que vous avez faim, mes belles. Ça a l'air incroyable. Oh non, c'est tellement dommage de le couper. J'ai pas envie. Non. Non. Attendez, à l'intérieur. Ça va être bon. Il y a quoi dedans du coup? Oh mon Dieu, on va se régaler. Ah ouais, c'est un fraisier quoi. Trop bon. Oh là là, c'est pénible de devoir les casser, on n'a pas envie. Ouais, c'est un petit gâteau dedans, d'accord. Là, c'est un tiramisu. Incroyable. C'est vraiment meilleur que Harry Potter. Harry Potter, c'était vraiment très basique et pas terrible. Et là, franchement, les plats sont bons. Eh ben, ma cochonne, un deuxième dessert. N'hésite pas à nous en laisser, hein. C'est trop bon. Il est vraiment bon ce gâteau. Ouais, hein. Ouais, je vais les goûter. Trop bon.
On est vraiment des porcs, hein. Mais c'était trop tentant, franchement, ce concept Mario, là. Eh ben, mes cochonnes, on n'hésite pas à taper dans le plat. Eh ben, mes cocos. Ben voilà, on a fini de manger les puces, on va aller reprendre les attractions. On va rester encore un peu là dans le parc Super Nintendo World pour faire d'autres. Après, on va aller dans le monde d'Harry Potter. Le château a l'air incroyable, trop hâte de le voir de près. Et puis, non, c'était sympa. Franchement, je suis content de ce petit restaurant Mario. Il y a des petits écrans un peu partout. La déco, vous avez vu, c'est des petits tubes. C'est stylé. Les lampes, c'est Todd. C'était cool, c'est immense. Regardez, il y a ce petit dessert aussi, les puces, comme il est mimi, j'adore. J'ai réellement filmé le gâteau de quelqu'un d'autre à sa table, oui. Regardez qui est de retour, les puces, ils sont là. Ça me tue. Regarde là, elle est paniquée, on dirait que c'est Madonna. Il est là. Coucou. J'adore. On est des vrais gosses, nous. Bisous, ma puce, on t'aime. C'est hilarant, regardez-les là-bas. Oh, ils se font un câlin. Ah non, j'ai cru. Alors apparemment, il y en a qui ont acheté une montre et ils peuvent... badger comme ça pour avoir un maximum de points. Seul problème, on n'a pas la montre. Mince. C'est drôle. Ah ouais, c'est cette petite montre là. Je vois. C'est drôle. Ah, c'est pas le même bruit. Non, il y a un petit problème, j'ai pas la montre. Mais ça marche quand même. On n'a plus du tout envie d'en partir. C'est terrible, cet endroit est merveilleusement beau. On est trop bien. Qu'est-ce que c'est canon. Incroyable. Tu me tues avec ton sac à main. C'est quoi cette petite porte? Il y a quoi là? Qu'est-ce qu'il y a ici? Oula. Faut courir et taper sur des horloges. J'en peux plus. Regarde-les. Incroyable. Allez, ciao. Bye bye. Il y a Peach, les puces. Regardez, elle est là. Peach. Très grande dame, très araignée d'eau, hein. Elle me tue. C'est trop. Je suis un vrai gosse. On n'arrive plus à partir. On a envie d'analyser chacun des bonhommes qui bougent. Chaque détail. C'est... Ah, ils sont de retour eux, là-bas.
C'est trop marrant, on se croirait vraiment à une comment vous dire, une soirée du Nouvel An où tout le monde est déguisé. Il y a vraiment des personnages, mais partout. Tout le monde a joué le jeu. On dirait que c'est vraiment l'enfer, quoi. Les 75 minutes d'attente partout pour tous les manèges. Oh, oh, Yatsad ! Il est adorable. Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais je crève. Ah, d'accord, ma... En fait, ils ont mis des espèces de box un peu partout, voyez, les puces, pour sauter et gagner des pièces. Et c'est souvent en hauteur. J'adore tous les concepts qu'ils ont fait dans ce parc. Stop. Oh, d'accord, ma grande. On va aller bye bye le monde de Mario. On part dans un autre monde, on va à Harry Potter. Mais regardez comme c'est bien reproduit la ville. On dirait une vraie ville. En fait, on est toujours à Universal Studios. C'est tellement bien fait, c'est un truc de ouf. Tout ça, c'est des décors. Incroyable, hein, on se croirait vraiment dans les rues de je sais pas où. C'est vraiment trop beau. Il faut absolument que j'aille manger à ce stand là. Ils vendent des... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Non, mais il faut vraiment que j'aille commander quelque chose, hein. Ah oui, j'y cours. Les décors sont canons partout, c'est ouf. Vraiment. J'adore ce parc. J'adore ce ballon trop stylé. Oh mon Dieu, on arrive à Poudlard, les puces. C'est dingue. On voit le château là-bas tout au fond, on va y aller. C'est trop bien fait. Waouh. C'est magnifique. C'est tellement bien fait. Oh, il y a le train. Il est là. Waouh. Ah ouais, c'est tellement beau. Les décors sont incroyables. Magnifique. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est une plaisanterie, elle bouge. On dirait presque que c'est un vrai, c'est choquant. Oh. Oh. Mon Dieu. Mais c'est impressionnant. C'est quoi? Il me fait peur. Il est trop mignon, ce petit. Il fait peur. Non, mais ces rues sont dingues. On a complètement l'impression d'être dans le film. C'est un truc de dingue, hein. J'adore. Waouh. C'est quoi l'histoire? C'est quoi un wizard? Là, c'est Sirius Black. Il est recherché? Il est recherché, ouais. Et qui... J'ai pas la ref, ma belle. Il va être quoi? En prison à Azkaban. Azkaban? Azkaban. Azkaban? Je connais pas. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien.
Mais vraiment, tout est incroyable, les boutiques et tout. Le petit cactus qui bouge là, regardez. À moins que j'ai rêvé. Ah non, il bouge. Oh, j'adore. Ah ouais, c'est clair. Oh, c'est trop bien fait. Bonjour. Je répète bonjour. Ah, il bouge plus, on lui a fait peur. Ça donne trop envie de vivre ici. Mais grave, le chef dans un petit village. Ah ouais, j'adore. Imagine, tu te balades dans ton petit village. Ah mais oui, une petite pâtisserie. Oh là 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 là. J'ai trop envie de vivre ici, ah ouais. Magie, on y va. Ouais, t'as pas envie de vivre dans le village? Ah, oh là, c'est dingue. C'est incroyable. Oh, vous voyez ce que je vois? Mon Dieu! Oh, mais il est incroyable! Il est trop bien fait. Oh mon Dieu! Mais c'est fou! Impressionnant. Punaise. C'est vraiment ce parc quelque chose, hein. T'as vraiment l'impression d'y être, quoi. C'est une dinguerie. On est à un spectacle. Je sais pas ce qui va se passer. Elle fait peur. Elle fait flipper, cette dame. Qu'est-ce qui se passe? On est dans le magasin de baguettes magiques. Oh. Wow. Oh, c'est immense, c'est magnifique. Wow. Makers of fine wands since 382 BC. Those Goji Uni Guran Kudasai. Please don't touch. I will be with you momentarily. Many thanks for your cooperation. Now, here, Sui ga Mahotsukai wo enabimasu. Now, Jean, which is your wand arm? Are you right or left? Right. 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 Yes. Now, let us begin. You see, Ori Banda, Sui wa Subate, Tokobetsu ni Erabade Kito, Kyoryoku na Madyoku wo motta Shi, with a unicorn hand cord. Yes, it's 12 inches. It's a wand of reliable, steady magic. Kaede de Dekitatsu, Shi wa Unicorn no Tategumi. Raise your wand. Very good. Ah bah mince alors, ça va pas du tout. That was very interesting. Lumos. Lumos. Meteor Jinx. Mikasa. I have been saving this wand, Jean. This is a wand of you with a dragon heartstring. A perfect fit, Jean. Now, this particular wand pairs. C'est magnifique. Oh, les statues devant. Oh là là, waouh. C'est quelque chose, hein.
Les cheminées, my god. Oh là là, j'ai envie de devenir un petit sorcier. Moi aussi, j'ai envie de vivre ici. Ah ouais, crasse, c'est magnifique cet endroit. Ils auraient pu tourner le film ici, hein, tellement c'est... Enfin, je crois qu'ils l'ont fait après. Putain, c'est fou. Waouh. Magnifique. On entre les puces à Poudlard, on y va. Oh, on y go. Waouh. Je débarque à Poudlard. Par contre, c'est vraiment infernal l'attente ici. 160 minutes, soit 2h40 pour aller faire l'attraction d'Harry Potter. Oh, c'est beaucoup trop, enfin, c'est invivable. Du coup, on va y retourner en fin de journée, en mode on verra si, s'il y a moins de monde. Parce que là... Bon, pourvu qu'on puisse en tout cas, ouais, tout à l'heure. Parce que... Ah non, mais là, on se sent pas. 2h30 à attendre pour une attraction en plus qui dure 3 minutes. C'est pour ça d'ailleurs que je vais plus dans les parcs d'attractions depuis quelques temps parce que t'attends beaucoup trop VS le temps que l'attraction dure. Et même si tu prends des tickets des fast-pass, apparemment t'attends grave parce que là on est en période de vacances scolaires ici au Japon. Et bah, c'est super long. Mais en tout cas franchement c'est hyper sympa, ne serait-ce déjà que de se balader. On y serait vraiment de faire l'attraction en fin de journée, mais déjà se balader et tout comme ça, on a vraiment l'impression de visiter quoi. D'être vraiment à Poudlard, enfin c'est... C'est très très impressionnant, hein. C'est magnifique, hein. Vous vous rendez pas compte de la hauteur et à quel point c'est imposant en vrai. C'est pas un petit truc, hein. C'est pas du tout cheap, hein. C'est vraiment dingue. Qu'est-ce que c'est encore que cette petite bestiole là? Qu'est-ce qui se passe ici les puces? Une porte va s'ouvrir? Une baguette magique, allons-nous assister à quelque chose d'incroyable? Suspense. Faut pas être pressé, hein, pour que la... Ah. Non. Ah d'accord, c'est juste ça? D'accord, ma belle. Alors, il y a quoi dans ces petites boutiques Harry Potter? Ah bah tiens, devinez qui on retrouve au bonbon et à la bouffe. Toujours les mêmes? Non, je ne craquerai pas, non, GG. Tu ne craqueras pas et tu ne mangeras pas. Non, 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 hors de question. Ah, je suis étonnée, ma grande, de te retrouver là, tiens. Mais alors, non, là, je suis étonnée de te retrouver, surtout pas la main dans un bocal. J'attends Julie. Ah, tu comptes pas manger? Non, mais je regarde ce qu'il y a à manger, si tu veux savoir, par le bras. Ah! Où sont jambon beurre et sardines? Bah, ils ont pas voulu venir à Universal Studios, c'est pas leur... leur truc, quoi, ça les intéressait pas forcément. Du coup, ils continuent de visiter Osaka et nous, on est là, entre gens. Mais non, ils sont restés à Osaka. On savait depuis le départ, ils voulaient pas venir, donc on est vraiment venus tous les trois. Voilà les puces. Là, le train est en maintenance, le train va mal. Ça me rappelle quand j'ai vu le, vous savez, le pont là en Écosse où le train d'Harry Potter passe et ouais, où il a été tourné. C'est beau. On arrive dans un autre monde, les puces, avec d'autres petites créatures, Snoopy. Lui, je sais pas comment il s'appelle, je connais pas du tout. Et Hello Kitty. Mais c'est trop mimi. Mais moi, je suis un gosse aujourd'hui, hein. Oh, regardez ce petit lapin en fleurs. C'est trop beau. C'est un peu le thème de Pâques ici. Ils ont fait plein d'œufs et tout partout. Oh, j'adore tous ces Snoopy volants. C'est trop beau. Trop mimes. Hello Kitty Corner Café. Bon, par contre, c'est un peu simple. Je pensais qu'il allait y avoir des petits plats Hello Kitty, des petits trucs vraiment très personnalisés. Non. Je crois qu'il y en a des mieux au Japon, mais ils ont fermé. Du coup, on n'a pas pu les tester. Oh, je fonds. C'est trop mimes. Regardez ces petits œufs comme ils sont mimes. Kikou toi. Oh, j'adore. C'est très kawaii. Kawaii, ils disent ici.
Hello Kitty Ribbon Boutique. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Oh, Hello Kitty Cupcake Shop. Ah là, c'est le photocall Hello Kitty, hein. Oula. Tout le monde fait des petits shoots, regardez. C'est joli, remarque. Alors ici, c'est un... Ouais, elles adorent ça, les japonaises, hein. Mais vraiment, je vous ai montré hier les espèces d'endroits pour faire des shooty photos. Elles adorent poser dans un univers et tout précis. Oh, mais c'est Mims. Oh, ils sont adorables avec la fourchette. Est-ce qu'on n'essaierait pas cette petite friandise? Regarde. Oh, ça te tente? Oui. Ça a l'air ultra mince. Ah, ça a l'air choupi à mort. La queue a l'air aussi choupi, hein. Par contre, là, l'attente, c'est quelque chose, hein. Ouais, mais attends, mais c'est réellement là? Oh my god. Alors, je cherche les hommes ici, mais je n'en vois pas, hein. Je suis seul, hein. En même temps, oui, pour aller acheter des gâteaux Hello Kitty, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mecs. C'est, je me sens, comment dire, ouais, seul. Donc, officiellement reparti, les excès alimentaires. Thank you, bye bye. J'adore, regardez comme c'est si mims. Je fonds d'amour. Regardez-moi cette petite bouille. Oh, on n'a pas du tout envie de la manger encore, j'ai envie de la ramener. J'adore. Allez, on va déguster, goûter ça. T'aimes pas? Tu t'es encore trompé? Maman, je suis content d'avoir pris ça du coup. T'aimes pas? Ah! Normalement, c'est dégueulasse, mais on va voir si t'aimes comme t'aimes tout, toi. Non, non, ça va, merci. Non, 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 j'en veux pas. Allez, mais finis-le, ce petit churros. Des kilos, alors. Des kilos, mais c'est vrai que ça fait chier de prendre des kilos pour manger des trucs dégueulasses, quoi. Ça fait chier de... Offre-le à un enfant, il y en a plein derrière. Excuse me, do you want a churros? Non, mais donne-leur. Do you want a churros? She doesn't like. You want? Non? Ah, elle en veut pas. Mais non, mais je t'ai dit que tu vas pas pouvoir le refourguer. J'ai croqué. Bah oui, mais t'as croqué. Ils ont peur en ce moment, il y a une bactérie ici au Japon. Et la bactérie, c'est peut-être toi. Tu finis tout ton plat. T'as voulu prendre quelque chose, tu manges. Excuse me, girls. Do you want this? She doesn't like, do you want? Do you want? She cut the boo. She cut with fear and you can bring it to your home. You want? No? Mais allez, donne-leur. Mais allez. Oh, je le canne. Personne en veut. On dirait que t'as la gale. Elles me tuent parce qu'elles sont toutes là-bas, regardez, en train de faire des stories avec leur Hello Kitty. Enfin non, à gauche, je pense qu'elle regarde combien de calories elle a. Elle a un gurgit avec son beignet. Mais là, à droite, elle est à fond. Hein. Et tu vas pas le manger, c'est vrai? Bon. Excuse me, girls. Do you want this? Do you want? She doesn't like. Do you want? Mais tends-leur, elles comprennent pas. Donne-leur. Bon, bah, personne te veut. Non, elles veulent pas. Elles ont dit non, non, je mange pas après, elle, hein, tu vois. J'ai pas envie de le goûter. Je veux le garder. Allez, goûte. Alors? Oh, ça me donne trop envie. Bah, c'est excellent. Oh, monte l'intérieur. Oula. Waouh. C'est trop bon. Ça a l'air trop trop bon. Je peux goûter? Non. J'adore trop pour ça. Désolée. T'as pris que des trucs que t'aimes pas? La boisson non plus? Voyons voir. Ouais, je vois pas après les autres, mais ouais. Ah d'accord, carrément tu lui rends.
Donc tu... Non, je peux goûter ou pas ce petit bâton là de choses, parce que j'ai hâte de voir si vraiment je suis comme vous ou si vous êtes difficile. Non mais Julie, il y a une bactérie mortelle. Il y a une bactérie mortelle au Japon. Tu peux pas la redonner, un truc où t'as croqué dedans, tout le monde va fuir. Il faut que tu te portes. Bon, Dan. Oh bah dis donc, elle se fait pas prier pour une fois. C'est du sucre quoi. Avec du sucre. Regardez, il y a Hello Kitty, les puces, elle est là en personne. Mais c'est quoi cette tenue? C'est Hello Kitty, non? T'as vu, Hello Kitty est là. C'est Hello Kitty, non? C'est un mec, comment t'as fait? Bah, je pense que c'est Hello Kitty non genré. Encore. Voilà. Hello Kitty, Kitty. Regarde, c'est drôle. Expressif. Je crève. C'est quand même assez inquiétant. J'ai presque fini. Ta merde là. Bah. Quand t'as faim, tu grignotes tout ce qui passe. Hein. Au Japon, tout est kawaii, même les poubelles. On aime. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était Babybel. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Je vous jure, tout ça m'a fait bizarre hein, tout par un coup. Oh bon sang. C'est qui ce personnage du coup? Bah, visiblement, on n'est pas les seuls à être épuisés de notre voyage. Hein. Je pensais qu'on était les seuls que le Japon avait épuisés, mais visiblement non. Hein. Oula, oui, non. On n'est pas les seuls du tout. Hein. Ça va aller, messieurs, dames? Are you okay? Woohoo! Is anybody here? Ah oui, ça va pas bien du tout. Hein. Les gens sont claqués. Have a good night. Les gosses m'ont regardé en mode ah mais j'aimerais trop habiter là aussi, dans ces petits villages là comme ça, cette petite ville. Là on est toujours du côté de San Francisco. Ça doit être beau San Francisco, il faut que je le fasse. Tout le monde me dit que c'est vraiment canon cette ville. Le Golden Gate Bridge. Voilà, on se balade. C'est franchement, ils assurent un niveau décor, y a pas à dire. C'est vraiment vraiment canon ce parc. J'adore. Putain, mais on aura voyagé aujourd'hui. On a fait je ne sais combien de mondes différents. Oh, là-bas aussi, c'est beau. Waouh. Magnifique. J'adore. C'est vraiment compliqué de lutter parce qu'en fait, il n'y a que des petits stands à thème. Alors maintenant, ils te vendent ici un truc sur les mignons, avec c'est quoi, des petits buns. Ah non, ça c'est une drink bottle, ok, une gourde. Plus ou moins, elle est jolie, remarque. Ah bah attendez, c'est comme Hello Kitty, c'est exactement ce qu'on vient de bouffer, mais c'est dupliqué avec un autre personnage. Bah oui, c'est un mignon bun. Exactement. Non mais je crève, elle est en train de prendre, de filmer le mignon dans le bras du gosse. Bon bah j'ai fait pareil, moi j'ai filmé le mignon du gosse. Trop chou. J'adore. Oh là là, c'est trop mims. Mais c'est Pâques là ou quoi bientôt? Tout est sur le thème de Pâques ici. T'es là? Mais oui, elle me pousse. On te voit plus. Trop kawaii. Allez, encore un magasin de mon bec. C'est pas vrai. Comment ils font ici, je vous jure, pour pas être... C'est vrai, hein, très épais. Enfin, ils sont hyper minces. Oh, mais cette façade, mais trop mims. J'adore. Ah ouais, c'est beau. Ah, d'accord, ma belle. Ah d'accord ma grande, c'est quoi ça là? C'est des cheveux? Oh, ça fait peur oh. Eh ben il y en a des trucs ici hein. Ah d'accord ma grande. Thank you.
Ah, le Japon, c'est quelque chose quand même, hein. Quel est donc ce personnage encore, Puppy Love? What is it? Oh là là, trop stylé cette façade aussi. J'adore. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Minion Mayhem. Je sais pas si on va la faire parce que... 110 minutes d'attente. Oui, 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 2 heures. Au cas où vous n'ayez pas compris les puces, hein, on est dans le département des mignons. Hein. Just information in case of. Et qu'est-ce que c'est que ces mignons? Ils cuisinent aussi? Alors ça, c'est pas du tout ma génération, les mignons, par contre. J'ai jamais regardé, je sais même pas c'est quoi ces personnages, des bouts de fromage, des pommes de terre. Enfin, je sais pas trop. Eh bien, encore une façade originale. J'aime trop, moi, ce genre de façade. À Osaka, on en a vu plein. Vous vous souvenez, les puces dans les rues? C'est vraiment un peu comme ça aussi, sauf qu'il n'y avait pas vraiment les mignons, mais... Pendant qu'il y en a une qui se repose, devinez ce que va faire l'autre. Se nourrir. C'est pas vrai, non, moi, j'arrête, j'abandonne, là. Qu'est-ce qu'elle va prendre? C'est pas possible. Oh, quelle horreur, qu'est-ce que c'est que ça? Un cookie sandwich avec de la crème fraîche et des fruits. Arrgh, ça me dégoûte. Non, trop, c'est trop là maintenant, stop. Tu viens ici? Tu arrêtes? Viens là! Mais en plus, elle en fait qu'à sa tête, elle s'en fout, c'est pas possible. C'est pas vrai. Alors, c'est quoi encore cette curiosité? Oh, c'est un petit beignet aux fruits à la crème fraîche? Fruits et fromage blanc, je pense. D'accord. Eh bébé, il y en a un, des cochonneries. C'est un personnage, ça, ou une cliente? Ah non, c'est des personnages, oui. Hi. C'est quel rêve, du coup, quelqu'un peut m'écrire. Ah, je crève. Quelqu'un a la rêve? Qui sont ces personnages? C'est quoi? C'est un film? Je crois qu'il y a une partie manga dans le parc. J'adore la petite reconstitution des rues encore, là. Regardez. Ah, ça fait des TikTok là, je crois. Ouais, ça fait des TikTok. Non, on peut pas s'incruster. C'est quoi cet effet? On les voit même plus. Mais je crève. Oh, d'accord, mes grandes chicanes. Qu'est-ce qu'elles font? C'est hilarant. C'est hyper beau. Ah, mais oui, tout le monde fait des TikTok ici. En fait, c'est la rue des TikTok ou oui? Visiblement. Ah, ouais, c'est la rue des TikTok ou. J'ai l'impression que tout le monde fait des TikTok, enfin, c'est la rue des TikTok ou... Regarde, mais tout le monde fait des TikTok, c'est un truc de dingue. Non mais tout le monde, il y a des groupes partout de TikTok. Là, ça y est, elle pose le téléphone, elles vont faire un TikTok, une danse, regarde. C'est sûr, attends, voilà. Remarque, c'est joli ces petites rues. C'est pour ça, je pense qu'elles sont inspirées pour faire des TikTok. C'est hyper beau. C'est étonnant que t'en fasses pas, toi. Regarde, regardez, regarde-les. Regardez-les. Pardon, enfin, putain, tu vois bien que je suis en train de filmer un truc. Regarde. Oh non, mais c'est hilarant. Non, vraiment, j'adore. Trop, trop beau. Partout. Bon, on va où, du coup, maintenant? Putain, on a fait une attraction depuis ce matin, tellement il y a du monde. Mais je vous jure, une attraction, il est 16h30 depuis 8h du mat. Va falloir qu'à un moment donné, on la fasse, la queue. Hein. Ouais. Non, mais oui. Les 2h40 d'Harry Potter, va falloir y aller à un moment donné. À un moment donné, va falloir. On a trouvé une solution, faire moins la queue à certaines attractions. Du coup, on prend, vous voyez, la file pour les gens seuls, single. Bah, on sera pas ensemble, mais c'est pas grave. Ça divise par 3 le temps d'attente, donc... On va faire un truc sur les dents de la mer, là, normalement. Regardez, on part ici en bateau, on va aller, je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être dingue. Regardez comme c'est beau, on part en croisière. C'est magnifique, j'adore. Trop beau. Je pense qu'il va se passer des dingueries. Oh mon dieu, oh, c'est une plaisanterie, j'espère. Oh my god, mais c'est impressionnant. Je me suis fait éclabousser comme jamais. Oh my god.
J'ai pas pu tout filmer les puces parce qu'on n'avait pas le droit, c'était interdit. Mais c'était incroyable cette attraction, vraiment. Il y avait genre des requins blancs qui sortaient de l'eau d'un coup. Ça explosait, ça jetait de l'eau, enfin c'était ouf. Franchement trop bien. Allez, on arrive à Jurassic Park. On va voir ce qu'il y a dans cette partie du parc. Bah, déjà il y a ce grand looping, mais pour le coup il y a beaucoup d'attentes. Donc voilà, coin. Woo! My god. Oh! J'adore les pancartes. We are enhancing this area for the comfort of our dinosaurs. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. Ouais. Ça va, vous? Allez-y. Oh, bah ça décoiffe, hein. C'était atroce. Après le bon et le cookie, là, waouh. Franchement, c'est trop bien. On a quasiment pas fait la queue parce que comme on passe en single maintenant... Oh. Mais ça, mais on gagne 4 à 5 fois plus de temps. C'est incroyable. C'était vraiment, ça secoue là. Hein. La tête qui tourne. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça s'arrête jamais. Ça. J'ai eu l'impression que ça a duré au moins 10 minutes. Alors qu'en fait, ça a dû durer une minute. Ah, c'était ouf comme sensation. Oh punaise. Regardez où on était. Tu montes comme ça, la tête à l'envers. Enfin, la tête à l'envers. Enfin, la tête à l'envers, mais. Enfin, si, presque. Hein. Et ensuite, on est tombé comme ça d'un coup. Regardez. Attention! Voilà ce qu'on vient de faire. En vrai, ça allait, mais c'était impressionnant quand même. Caution, don't run, please. Oui, bah bien sûr, on va pas courir si on voit ça, non. On enchaîne avec Waterworld. Apparemment, c'est des studios de cinéma, des effets spéciaux et tout. Il y a des shows, des spectacles. Donc, on va voir. Il est beau ce sac quand il s'allume le soir, c'est beau. Il est un peu lourd, non? Toute la journée à porter. C'est pour m'achever. C'est parti pour un spectacle. Wouh, ça fait du jet ski à Universal Studios dans les piscines. Un film d'action, c'est dingue. Oh my god, on voit plus rien, il y a de la fumée partout. C'est incroyable, on dirait le tournage d'un film. Mais le tournage d'un film en direct, je vous jure, c'est hyper impressionnant les cascades. Et ils jouent tous hyper bien, c'est dingue. Ah ah ah, on sursaute. Non mais c'est impressionnant l'avion là. Oh gosh, truc de dingue. Marina! Omae no nakama dei korosha! Ah!
Nous revoilà à Poudlard cette fois-ci, by night. Et nous allons aller tester, attention, nous allons aller tester une Butterbeer, car apparemment dans Harry Potter, ça boit de la Butterbeer. Et voilà la petite bière au beurre. Et voici donc la fameuse bière au beurre. Alors, c'est pas alcoolisé, hein, y en a pas. Et je vais goûter, je vais voir ce que c'est, parce que vous étiez hyper nombreux à me dire goûte, tu vas voir, c'est trop bon. Tu vas voir, c'est trop bon le goût. Ta moustache, c'est super bon. Mais oui, c'est un goût de caramel, tu trouves pas? De crème brûlée? Ouais. Yummy. Bon bah on dirait que j'ai bien aimé. Ah ouais, c'était trop bon, incroyable. Oh,